Bonjour, je suis venu t'interviewer pour savoir ce que tu présentes sur NantesMaker Campus, que tu nous présentes un peu tes robots et puis ce que tu prévois dans l'avenir. Je suis Nicolas Massé de l'entreprise Massé Robotics. Alors je présente aujourd'hui des robots, le robot MRPZ qui est basé sur une carte Raspberry Pi 0W et le robot MRDuino 2 qui est basé sur une carte Arduino Nano. Ce sont toutes les deux bases robotiques de 10 cm de diamètre avec différents capteurs, des capteurs laser qui permettent de mesurer une distance jusqu'à 20 cm. C'est des robots rechargeables avec un câble USB pour recharger une batterie lithium. Et ils ont deux moteurs à courant continu avec encodeur. Et avec la Raspberry, ça permet de programmer les robots en langage Python. On peut ajouter une caméra, des servomoteurs avec une pince. Voilà, c'est une petite base qui est modulaire et open source. D'accord, tu nous présentes aussi un robot marcheur, là, tu peux nous en parler ? Oui, alors... Alors c'est un robot marcheur. Pour le moment, c'est un prototype et voilà, pour le moment, il commence à marcher, mais il y a encore pas mal de travail. C'est un robot en bois réalisé en découpe laser. C'est du peuplier de 3 mm. Il utilise 8 servomoteurs de modélisme. Après, la particularité, c'est que il est avec des pattes, avec un système en parallèle. Voilà, et c'est la particularité de ce robot. Il est pour le moment, il fonctionne avec un Arduino et une centrale inertielle pour le moment qui n'est pas encore utilisée et une carte reliée en IDC à l'Arduino pour le contrôle des 8 servomoteurs. D'accord, donc ça c'est un projet, c'est le prochain robot que tu vas commercialiser ? Alors pour le moment, je ne sais pas si ça va être le prochain parce qu'il y a encore pas mal de travail dessus. Mais je vais peut-être sortir une prochaine base à base de Raspberry. Voilà. Ok, merci beaucoup et puis prochain salon. Voilà.